Bonjour tout le monde, ici Enfer 2012 sur ma map Ramsès 2. Très bon dimanche à toutes et tous. Alors, on va déjà commencer comme d'habitude. On va aller chercher les chiens et les chats que j'ai laissés mercredi. À quel endroit? Je ne me souviens plus. Et de toute façon, je me trompe de côté. Oh, mais c'est pas très grave. Alors, j'avais à vous dire un truc assez important. Vous avez pris l'habitude de mes lives le mercredi. Et mercredi, c'était le dernier live pour le moment. J'en ferai peut-être dans l'après-midi en fonction de mon emploi du temps. Mais je n'en ferai plus à 18h. La journée, le mardi après-midi, quand je fais des lives à 3-4 personnes, c'est pas dérangeant. Le mercredi, 4 personnes pendant le live, ça la fait, la fout un peu mal. Alors, après, on a le nombre de viewers qu'on a, et puis c'est tout. Moi, je ne dis pas que je fais des lives pour péter des flammes au niveau abonnés. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais, à part mes viewers habituels, à savoir Christo et le Renard Céleste, que je remercie vraiment énormément pour leur présence, il n'y a personne qui a la curiosité de venir. Tant que sur YouTube, ce sera la folie Fortnite, je pense que ceux qui n'en font pas comme moi, on est voué à pas grand chose. C'est tout. C'est la folie du moment, c'est la folie du moment, donc on va laisser ça comme ça, et puis tant pis. Le mercredi soir, je vais le garder plutôt pour moi, pour avancer sur ma map, peut-être toute seule, ou alors pour travailler. Voilà, tout simplement, repartir sur de bonnes bases à ce niveau-là. Parce que bon, c'est pas le tout, mais moi YouTube, ça me fait rien. Toutes mes vidéos sont quasiment démonétisées. Je les mets en ligne et même avant d'être en ligne, elles sont démonétisées. Donc déjà que ça rapporte pas grand chose. Là en ce moment, à part m'énerver à chaque fois que je vois votre vidéo, ne respecte pas les règles de monétisation. Et là, t'as envie de dire, je t'emmerde. Voilà. Voilà, voilà. Et ils sont où mes chats? Je sais pas. Et je sais plus où je les ai mis. Et je vous dis hier, mais c'est parce que je suis pas revenue depuis. Mercredi soir sur cette map, je n'ai pas eu le temps. Beaucoup de travail, beaucoup d'occupations, puis l'anniversaire de Lucie. L'air de rien, j'ai un petit peu mis de côté Minecraft 5 minutes. Il faut quand même que je précise que je fais une chaîne YouTube et des vidéos. C'est pas pour gagner ma vie, c'est parce que j'aime partager avec vous les choses que je fais. Et puis, j'aime tellement ce jeu. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous montrer des avancées, surtout dans cet endroit qui est dédié à la Flanders Company, une websérie que je kiffe. Voilà. J'adore vraiment cette websérie et j'avais envie de la partager avec vous. J'aime aussi la série Les Profs. Et c'est pour ça qu'ils ont leur petit coin de paradis sur ma map. Voilà. Et en plus, ils sont hyper sympas. C'est souvent qu'on discute sur Twitter. Alors, rien qu'un petit message ou une petite image, comme ils savent toujours trouver, ça fait plaisir. Voilà. Bon, ben, le lion de Cléopâtre, il n'y a que toi que j'ai retrouvé. Donc, on va chercher les autres. Ah, mais si, ça y est, je me rappelle. Cerveau de mouche. Bref. Normalement, je les ai laissés dans le coin, là. Non? Tu me suis, le lion de Cléopâtre? Ouais.
Flaire, cherche tes amis. Voilà. Ah, c'était compliqué, hein. Mais bon, ça fait longtemps que je les ai pas promenés, alors ils se sont peut-être décalés. Non, je crois pas, ils étaient là mercredi soir. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que je continuerai à faire mes avancées sur cette map en live le mardi. Pardon, le mardi après-midi. Je dis pardon à un chat, hein, à des pixels. Hop, allez, suivez-moi, bêta. Hop. Donc, je continuerai à faire des lives le mardi après-midi pour continuer mes avancées sur la map. Mais le mercredi soir, c'est toujours un petit peu ric-rac. Le mercredi, c'est quand même la journée des enfants. Et je ne veux pas enquiquiner toute la famille avec un live, surtout que souvent ça dure 2 heures quand même, l'air de rien. Et voilà. Je suis tout à fait consciente que ma série sur Minecraft n'est pas très très intéressante. Moi, ça me fait kiffer à mort de faire revivre l'Égypte ancienne dans cette map. Voilà, je sais que enfin, l'histoire comme ça peut ne pas plaire à tout le monde, et j'en ai une grande prise de conscience depuis un petit bout de temps déjà, hein. C'est pas arrivé de là récemment, mais voilà. Donc, pour les avancées de ce que j'ai fait en live cette semaine, il n'y a pas grand chose. Oula. Tac. Voilà. Bon, Ramsès. Ramsès. Toi, t'es personne, toi? Ramsès 10. Le lion de Cléopâtre. On l'assied pas. On va aller le mettre dans le bain de Cléopâtre, bien évidemment. Mais bon, de toute façon. Je kiffe à mort cette map, donc c'est pas demain la veille que je vais l'abandonner. Tac! Il est où le lion de Cléopâtre? Je ne l'ai pas assis. Allez, come on! Donc après, là, on va aller voir un petit peu ce que j'ai fait en plus sur ma map. Je m'attaque encore une fois à un très très grand chantier. Et c'est pas fini. Et j'ai toujours pas trouvé d'informations. C'est aussi pour ça que je vais limiter les lives. Parce que cette map me demande quand même énormément de recherche. Attends, je vais vérifier que j'avais assis tout le monde. J'ai pas envie de me traîner un chien ou un chat à l'autre bout. Ça me demande des recherches parce que ça paraît pas. Il faut quand même que je fasse des choses comme j'avais envie depuis le début. Des choses un peu historiques, des choses qui collent à l'Égypte ancienne, voilà, tout simplement. C'est des PNJ qui s'y foutent tous là. Vous étiez pas là mercredi, vous étiez plus là. Cette map me stresse, oui, un peu. Et là, ici, il y en a de plus en plus. Je ne sais pas ce qu'ils mangent, mais ça marche bien. Donc, comme ça, j'aurai un peu plus de temps pour faire des recherches. Par exemple, là, j'ai fait des géoglyphes. J'aimerais en refaire. Vous êtes nombreux à me demander de faire un sphinx. Un modèle de sphinx, ça va être un petit peu hoche à faire, mais bon. Voilà, donc il faut que je me concentre et que je vois un petit peu comment faire. Donc il va falloir que je le dessine, le modèle. Eh ben dis donc, tu pêches et t'as pas de canne à pêche. Quand même, regarde comment on pêche. Voilà, tu vois? Petite canne à pêche enchantée. Elle est classe, hein?
T'as quand même les PNJ là-haut qui sont en train de faire les singes sur les sphinx, faut vraiment pas se faire suer. Bah, j'ai repêché encore un Poiscaille, eh ben, classe, hein. Allez, donc ici, là, j'ai mis des petits endroits. Mais où sommes-nous déjà, allez-vous me dire? Parce que moi je la connais par cœur, ma map, par cœur, quoique parfois je me perds. Voilà, nous sommes sur la place du Scarabée. Scarabée. Le long des murs, j'ai fait un style dentelle. Voilà, et j'ai habité, j'ai, oh, j'ai meublé les habitations. J'ai habité les meublations. Aussi, oui. Voilà. Donc j'ai mis des lits, j'ai mis des placards pour faire plaisir aux PNJ qui kiffent les placards. J'ai mis donc de quoi faire à manger, un bureau, une table de salle à manger et une de l'autre côté. Ici, il n'y a rien pour l'instant. J'ai encore pas fini. C'est encore pas dessiné dans ma tête, c'est pareil. Oh. Et dis donc, j'ai cru que c'était un zombie momifié. C'est pour ça, il va vraiment falloir que je reprenne le temps de gérer tout comme j'ai envie et de prendre le temps de faire des recherches tranquillement et d'y réfléchir. Voilà. Donc là, ici, encore une autre habitation. Et là, nous avons une salle à manger. Voilà. Une salle à manger géante. Et d'ailleurs, pardon. Donc, je sais plus ce que je fais, mais je le fais quand même. Tiens, ici, je vais mettre les petits poissons frais que je viens de pêcher. Et puis aussi du mouton. Ouais. Voilà, ici, j'ai fait une grande salle à manger. On constate également que là, on a des grands hiéroglyphes, des tableaux. Voilà, ici, ici et ici. Et qu'ici, là, nous avons rien. Parce que c'est juste un couloir. Et là, nous avons des coffres. Des coffres. Des fours, pardon. Et des petites tables de travail. Voilà. T'en verras après. Là, ici, nous avons une pièce vide. Et là, nous avons des coffres avec de l'or. Depuis quelque temps, j'ai prévu de faire une mine d'or, puisqu'en Égypte ancienne, bien évidemment, bien sûr, j'ai trouvé des coffres vides, non, encore des pépites. En Égypte ancienne, si on a fait beaucoup de choses en or, c'est parce qu'on récoltait l'or. Alors, je sais où ils trouvaient l'or. Ça ne vous dérange pas, je vais faire des deux. Mais vous êtes nombreux, là, dis donc, vous voilà à trois. Ben dis donc, je vous laisse 2 jours, 3 jours, et puis voilà ce que ça donne. Eh ben, et voilà 4 dans la maison. Ouais, classe. Excusez-moi, je passe par là. Je passe par là. Donc voilà. Tous les ouvriers sont logés, nourris, blanchis, tout ce que tu veux. Voilà. Voilà et voilà. Et ici. Nous avons une sortie vers le désert. Là, je vais faire des mines d'or et des laveries pour récupérer l'or. Le problème étant que je n'arrive pas à trouver comment l'or était lavé et récupéré. Je sais juste qu'ils allaient dans les mines chercher du quartz rempli d'or et qu'ils les broyaient à la masse. Que les employés qui faisaient ça, c'était souvent des prisonniers ou des gens qui étaient soupçonnés de trucs pas classe, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Moi, au niveau des chercheurs d'or, je regarde sur Discovery Channel, chercheurs d'or en Alaska, avec les laveries, les trommels, les tapis et tout le bazar. Je sais comment
Dans le temps, à cet endroit-là, il faisait sans machine électrique pour trouver, pour séparer le minerai de l'or. Le minerai de l'or. Pour séparer l'or de la terre, pardon, excusez-moi. Mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils faisaient en Égypte ancienne. C'est génial, hein? Ah la vache. Donc voilà, d'abord, je vais m'atteler à faire des dunes de sable. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je ne vais pas faire de live sur les dunes de sable. Ça va être méga chiant. Déjà que je suis consciente que ma série n'est pas extrêmement passionnante. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de monstre, il se passe rien. Donc si en plus je vous fais des épisodes méga creux, ça va pas le faire. Voilà. Donc hier j'ai mis des PNJ, des moutons, des vaches, des cochons. Et puis... Et ben c'est tout. C'est déjà pas mal, non? Ah, j'ai oublié de mettre des poules. Eh ben tiens, pour ce... en ce dimanche, nous allons mettre des poules dans... Dans cet endroit. La place du scarabée. Hop. Et voilà. Des poules et des bébés poules. Voilà. On n'en met pas 50 non plus. Pardon. On n'en met pas 50 non plus parce que c'est pas le but du jeu de d'alourdir énormément la map, surtout en animaux. Mais on va gérer ça tranquillement mais sûrement. Donc voilà. Alors mercredi, n'attendez pas un live. Déjà parce que mercredi, c'est une journée bien 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 remplie chez nous. On fait l'anniversaire de Lucie avec ses copains-copines. Et puis la semaine d'après, on verra. Peut-être je reviendrai un jour en live, mais je vous le dirai bien avant, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je fais une petite pause de live que le mardi en début d'après-midi. Bon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Il m'a fait peur le PNJ en bas, je me demandais ce que c'était, dis donc. Je trouvais drôle le mouton. Et puis, ben, je vous souhaite encore une fois un très très bon dimanche. Merci à celles et ceux qui me suivent et qui m'encouragent régulièrement. Ça fait vachement plaisir. Et puis, ben, on se dirige vers le million de vues quand même, hein. Je suis à 900 000 et des brouettes. Va falloir du temps encore, mais on y arrive petit à petit. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde!